l'image de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné son esprit. Le Saint-Esprit est sur moi. Parce que le Saint-Esprit est sur moi, je peux parler comme le Seigneur a parlé. Je peux parler dans la foi à l'arbre pour que l'arbre puisse sécher. Je peux parler par la foi à l'arbre pour que l'arbre puisse produire des fruits. Je peux parler par la foi à la maladie et la maladie doit quitter, fuir. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, quand le Seigneur a répandu son sang sur la terre, c'était le travail qu'il était en train de faire. Il est venu pour payer les péchés. Il est venu pour payer les péchés que l'homme avait fait. Il est venu pour payer tout ce qui a été écrit comme dette contre les hommes. Il est venu payer. Il est mort sur la croix. Il est parti sous la terre pendant 3 jours. Et puis il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il dit qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu tout ce qui était comme malédiction. Et en lui, il a tout pris pour que l'homme aujourd'hui, celui qui croit en lui puisse sortir et marcher dans la victoire, puisse sortir et marcher dans la dominion, pour marcher et parler comme le Seigneur. Parce que le Seigneur est venu nous donner l'identité, l'image, la photo du Christ. Il a cette photo que lui il a, maintenant il nous a donné. C'est pourquoi il a dit qu'il faut que je puisse remonter. Parce que quand je monte, je peux faire sortir l'esprit. Alors, l'esprit qu'il fait sortir de chez lui, c'est l'esprit qui était en lui, l'esprit qui travaillait en lui. On nous dit même que l'esprit qu'il a révélé, qu'il a fait réveiller de la mort. Cet esprit qui marchait en lui pour nous faire sortir de la mort. C'est l'esprit là que le Seigneur a libéré pour entrer en nous. Pour l'esprit qui a réveillé Jésus-Christ de la mort, c'était l'esprit qui marche en nous. Maintenant, toutes ces choses-là sont à nous. C'est à nous maintenant, dans la foi, de faire monter l'esprit qui est déjà en nous. C'est à nous par la foi de faire sortir la lumière qui est en nous pour qu'on puisse arriver à l'endroit où on parle de la manifestation des enfants de Dieu. Parce que la Bible dit que la création attend la manifestation des enfants de Dieu. Mais non, quand les enfants de Dieu vont sortir, quand les enfants de Dieu vont se manifester, imaginez-vous voir Jésus-Christ sur la terre à un même temps. Imaginez-vous